Bon, et maintenant, tout le monde, ok, allons-y avec les 4 matchs que j'ai remportés à 1 contre 1. Bon, ça n'a pas été facile, mais je suis parvenu ici. Et bien, je pense que le joueur a voulu, prendre le risque avec un back-eye, alors que j'essaie de revenir sur le rebord. Je suis revenu sur le rebord, il a fait le back-eye, mais pas au bon timing, fait que c'est lui qui a chuté. Ah, au lieu que ce soit moi qui chute le premier. J'avais peut-être suivi 160% de dégâts. En tout cas, ça c'était un premier match de longue extension dans les 1 contre 1. J'avais joué 6-1 contre 1 de suite. Le mode D, c'est quand est-ce que je joue des matchs en équipe. Là, c'est déjà assez épuisant. Là, d'avoir juste joué ces matchs-là, c'est très épuisant. En tout cas, mes matchs chauds, ils ont été importants ici. Là, c'est plate. Mais comme que je vous disais, genre, quand je vous parlais du upschmash de Sephiroth, ça marche. Juste il faut bien taker comme qu'il vient de faire là, le joueur. Il donne une avance, une très grande avance. Comment je vais faire pour me rattraper là-dessus? N'oubliez pas que les deux personnages sont légers, hein. Fait que tous les deux peuvent s'exécuter très loin, même mourir facilement à 80%. Ok, c'est beau là qu'il arrête de me projeter là, c'est pas. J'essaie de faire de quoi pour essayer de t'atteindre. Oh, bouclier parfait. Oh non, pas recommencer avec les attaques spéciales là. Non, non, non. S'il vous plaît, please, le monde. Arrêtez-moi ça là. Connerie là. Ok, je dis, je vais en profiter pour juste donner quelques dégâts de plus. Protéger la tente contre ça. Ah, pas là. En 57. Ah, c'était ici. Je pensais que c'était 160, mais c'est 157 juste. C'était pas fou d'essayer, mais c'était très risqué. Moi, j'ai quand même assez de réflexes pour au moins réussir à me donner une petite invisibilité à ce moment-là, puis voilà ce que ça a donné. En tout cas, c'était un fort match. C'était très difficile. En voici un autre. Quand le joueur de Michigan Rush que j'ai rencontré aussi deux fois. Il y a le joueur de Sefer que j'ai rencontré deux fois, puis lui deux fois. L'autre, c'est un joueur de Balutena. Puis l'autre, ben, je m'en souviens pas. J'ai perdu une fois contre ce joueur de Michigan The Watcher lors du deuxième combat.
Ça, c'est le premier. Bon, là, j'aurais peut-être dû smasher, mais bon, c'est pas trop grave. J'ai pas que ce que j'ai fait là, mais en tout cas, j'ai fait tout un. Peut-être que c'était rendu un DI rendu là. Dans ce combat-là, c'est plus mes smash shows qui ont fait une différence. Ben là, je smash show. Qu'il y a eu un temps de lag ici, on dit que le coup est tout simplement échoué. Pas du tout avoir balle. Que M. Gunner Watch. Bon, rebonjour tout le monde. Bon, reprenons ce que ça. Je vais reprendre un petit peu ce que ça l'avait coupé. Donc, ça l'a coupé à partir de ce match-là. Donc, je reprends du début. Donc, pour continuer avec l'ascension avec Foss pour vers le smash VIP, ben, vous avez les 4 1 contre 1 que j'ai gagné, dont sur les 6 que j'ai gagné. En commençant en débutant avec 7,7 millions, donc près de charge VIP, qui est environ de 8,2, pratiquement 200, oui, 8,2 millions, on pourrait dire. Bon, ok, allons-y. Bon, en tout cas, disons là que c'est avec des matchs. J'ai vraiment remporté de gros matchs. J'ai donné beaucoup d'efforts pour réussir à maintenir et à parvenir maintenant dans le show VIP. J'ai travaillé fort avec Fox.
Pour moi, l'image c'est de meilleure qualité que ce que j'avais joué samedi. Non, pas vrai, jeudi. Matin. Oh. Et ici, ce qui m'a vraiment aidé à remporter ce match-là, c'est surtout réussir des bons techs pendant que l'autre essaie de faire une esquive au sol comme là. Ça a failli être un. C'est un critique, mais ça a failli donner un chaos. Les deux matchs que j'ai perdu, j'en ai perdu un contre un joueur de M. Ken Watch. Ben, j'ai remporté le premier match comme vous avez vu précédemment. Et le match que je me souvenais plus, je viens de me rappeler, c'est contre qui? C'était contre un joueur de Falco. Il se protégeait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, on va pouvoir poursuivre. J'avais vu, fait que c'est pour ça que j'ai utilisé cette fois-ci, ou de smasher, ou de, ben, ou de dasher. Je ne comprends pas le truc là, de tout en faire des trucs qui se clairent avec son personnage, pour éviter l'adversaire. T'sais, moi je trouve que les gens ils ont assez peur de s'avancer, ben moi ils ont vraiment peur, t'sais, ils préfèrent faire des trucs circulaires comme le joueur de Palutena, ben, contre d'autres joueurs aussi, ils faisaient ça aussi, pas mal. Tout circulaire de l'avant en arrière. Quand que moi je vois ça, ben je préfère mieux attendre puis être capable de pouvoir avancer vers l'adversaire pour pouvoir le frapper comme le forward que j'ai fait. Ouais. Oh, et voilà, petit guidou. Oh! C'est pour ça que je vous dis, je suis trop fort pour les comptes. Hein. Faire attention quand vous en faites, parce que moi, je te dis, ça va être difficile pour vous de m'atteindre avec ça. Là. Mais, en tout cas, c'est pas trop abusé comme là, ça n'a pas été abusé. Là. Au moins, quand même, c'était quand même modéré. Mais il essaie de faire des attaques mais carrément dans le vide. Il attend pas que il attend pas les bons moments pour taker avec ton personnage. Tandis que moi, j'attends un bon moment. Ok, il bouge. Tu vois, ok, il s'est protégé. Voilà, on commence, on continue à le poursuivre. Sauf que lui, il fait trop de mouvements à répéter. Des fois ça peut être un peu désorientant, mais moi, je me dévoile quand même bien pour bien suivre ça. Oh. Ah, attention, comeback ici. Au moins, il prend des chances là quand c'est le bon moment. Peu que je trouve que les gens, ils essayent pas assez. Fait que genre. Moi j'essaye pas trop d'un air près du vide quand le joueur s'accroche au rebord parce que justement, j'ai pas de. Je suis dermatiquement si je tec trop vers le bas d'un coup. Bye bye. Pas le temps de faire mon double saut ou même faire un triple. Oh! Hey, là, faites-moi jamais ça, les gens, là. Jouez-moi pas en chip de même, là. Je le sais que c'est une bonne technique, ça. Mais s'il vous plaît, faites-moi pas ça avec Lucina aussi. S'il vous plaît. Sur votre game, là, faites l'effet méthode qu'il vient de faire, ce joueur-là. Ou sinon, peut-être t'attaquer un, puis je suis vers le haut. Mais moi, j'arrêtais pas d'aller vers le bas, parce qu'il essayait autre chose. Mais comme je vous l'ai déjà dit, arrêtez de m'envoyer avec des attaques spéciales. Ok, arrêtez. Que c'est si bon, je sais pas qu'est-ce que vous avez comme manie à tout le temps vouloir finir avec une attaque spéciale, ok. J'ai goût de dire quelque chose, mais je préfère mieux me retenir parce que qu'est-ce que vous voulez pas que, entendre.
Mais si je veux dire de manière polie, je vais dire manger de la chenoute. Bon, maintenant, voici le deuxième match contre le joueur de Sephiroth. Là, celui-ci a été gagné un petit peu. Bon, pas plus facilement, mais je veux dire, ça a été bien gagné. Oh! C'est quoi ça? Ouch! Au moins, il a pensé à dasher. Quand c'était le moment de faire. Oh! Oh! Salut! Tchou! Hey! Oh! Ça a juste tassé légèrement vers la droite, c'est pour ça que j'ai pas pu profiter de mon smash avec 14 ans. Oh! Fait que ça, oh ben, en même temps dans ma caille, wow! Hey, non! Hey, non, s'il te plaît, là! N'exagérez pas avec ça, s'il vous plaît! Moi, les jeux safe, moi, des fois, je m'en fous un peu parce que genre. Genre, s'il vous plaît, il n'y a pas juste ça dans la vie. Pour finir contre un joueur. C'est moi de jouer de la manière facile, là. Oh. Oh. Hey, salut! Ciao, bye! Je disais genre de courir vers son bouclier avant de faire mon smash et ça a bien réussi. Il voit que je me protège, il décide de me saisir. Hey non, tu ne me saisiras pas là. Là, c'est à mon tour. Hey là, non. Hey. C'est bien que tu utilises des attaques aériennes, mais tu utilises ça dans le vide. C'est hors site dès le départ. Donc, des fois, pourquoi que c'est facile d'anticiper, crime? Vous essayez de faire un coup d'avant en pensant que je vais aller là. Je vais sûrement pas aller là. Je vais attendre le bon moment comme là. Backer suivi d'un smash côté. Attention. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Oh. Ok. Ah, mais là, j'ai voulu essayer de le surprendre, mais il m'a saisi avant. Juste pour l'arbre de fin, des fois je fais ça, un petit B au sol de pour essayer de foncer par mon adversaire. Juste pour l'arbre de fun, c'est tout, à la fin de match. Quand quelqu'un vient de gagner mon adversaire, juste un canard de dégâts, c'est tout. Attention, 119, 74. Oh, là c'est à mon tour. Ok. Bon. Ça serait fun si vous essayez ça, puis souvent. Dans un enchaînement combo, genre des up-air comme ça, quand il vient de faire le joueur de Sephiroth. C'est ça qu'il faut faire. Ok, il faut pas faire des coups de même à coups de dash, là. À répétition. Faut que vos coups soient un peu plus précis. Je comprends que, genre, c'est un personnage qui faut que ça soit logical. Mais je pense qu'une manière plus simple de jouer Sephiroth, moi, je suis habitué à jouer avec des épices. Moi, je sais comment jouer avec ça. Fait que pour moi, je pense pas que ça va être compliqué de jouer Sephiroth si je suis capable de bien me positionner pour que le bout de sa lame vienne infliger de gros dégâts à mes adversaires puis grosse puissance de chasson, bang, si il meurt 50. Wouhou! Ok, ça me tente de faire ça. Wouhou! Ok. Imaginez un rondodou à 10% esprit là. Oh! Attention, tu le poignes avec le son notre albé. Oups, il meurt à 50. Oh mon dieu. Même à 60. Sur le coup, obtient un coup critique en soi-disant passant. Bon. Donc, ça c'était mes 4 1 contre 1 de suite que j'ai pas remporté. Mais c'est l'un de mes 4 matchs que j'ai joué parmi les 6 matchs de suite que j'ai joué durant ma journée du 10. Qui veut dire hier, dimanche. Aujourd'hui, on est le 11 à 17h29.
Ah, 13-13, ben 13-13 qui était enregistré. Oh! Bon. Ouais, ok. Bon, puis suite à ça, ben, on va se rejoindre pour la suite des événements.